Une soirée gala pour clôturer la 5e édition du festival gastronomique du Bénin ZA. Un moment festif, riche en démonstrations aussi bien culinaires que culturelles. Initié par Gloria Koissigova, ce festival est un creuset de rencontres qui vise à mettre en lumière les richesses culinaires. Une édition réussie selon le directeur de Golden Tulip, partenaire de l'événement. C'est très très bien. J'ai justement félicité Gloria qui est l'organisatrice pour la chorégraphie, le spectacle, le menu avec les chefs qui sont venus de l'étranger, puis le chef local aussi qui donc travaille pour l'ambassade de France. C'était vraiment très très bien. Le show au niveau musical, au niveau de la chanteuse, alors j'ai oublié son nom, excusez-moi, la chanteuse et puis le groupe qui avait fait les danses un peu de partout, de Abomey, du Nord et puis de Porto Novo. C'était vraiment très très bien, très impressionnant. Ah, il faut que ça continue, il faut qu'on persévère, qu'on s'améliore et qu'on continue. Donc l'année prochaine, on fera la même chose avec Gloria, qui est une femme formidable et qui a su mener ce projet, le monter à bout de bras. Et c'est vraiment formidable. Golden Tulip est partenaire de tout ce qui est artistique, de tout ce qui est culturel, de tout ce qui fait progresser. Et moi, personnellement, le Bénin, parce que j'adore le Bénin. Ça fait 3 ans que je suis ici et je n'ai pas envie de partir. Le Bénin, c'est très, très bien. Au Bénin, on est bien et il n'y a pas de raison. Il faut qu'on continue à monter. La soirée de gala a été également l'occasion pour les partenaires de féliciter la directrice du festival pour les efforts fournis depuis plusieurs années et de souhaiter la valorisation à grande échelle d'autres mets béninois pour les éditions prochaines. Félicitations vraiment à Madame Gloria. Cette 6e édition, je l'ai trouvée l'édition de la maturité. Quand on a un enfant qui a 5 ans, l'enfant a fait ses petits pas, est tombé, s'est relevé. Donc c'est l'édition de la maturité et j'ai trouvé que c'était vraiment une réussite totale. Et vivement que la 6e édition soit encore meilleure pour ressortir les recettes où il y a des mets qui tendent à disparaître. Je voudrais bien que la 6e édition fasse une lumière encore sur ces plats-là. C'est un festival très très intéressant. Cela nous a permis quand même de découvrir beaucoup de choses. Je pense que les autres années à venir aussi, nous serons dessus. Je les encourage et je pense que petit à petit, les autres années à venir, je pense que ça encouragera nos artisans béninois. Et c'est nous qui avons eu l'honneur cette année d'habiller les chefs sur la 5e édition du festival ZA. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup mangé d'ailleurs. C'est des plats que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et c'est ma première fois, mais je les ai vraiment aimés. La 5e édition du festival gastronomique ZA du Bénin a connu, faut-il le rappeler, la participation de plusieurs chefs cuisiniers béninois et étrangers.